des acteurs à part entière de la filière gras. Des exploitations aux salles d'engraissement et jusqu'aux abattoirs, le transport de palmipèdes est leur cœur de métier. Mais depuis que les services de l'État ont pris la décision de dépeupler le département, la quasi-totalité de leur flotte et de leur savoir-faire ont été réquisitionnés. On a une amertume parce qu'on s'était tous pris par la main, on avait gommé les défauts qu'on avait su identifier, qu'on avait su cibler avec la profession. Et aujourd'hui, c'est plus ce sentiment d'impuissance par rapport à ce virus où on se dit mais qu'est-ce qu'on a loupé ? Comme lors des deux crises sanitaires précédentes, leur activité va s'éteindre peu à peu au rythme du dépeuplement des campagnes et les 90 salariés se retrouvent au chômage partiel pendant des mois. Aujourd'hui, nos conducteurs sont aussi impactés que nous. Ça leur fait autant de mal que nous de ne plus pouvoir exercer leur métier pendant ce laps de temps. Fabien Chevalier a vu lui aussi son entreprise réquisitionnée par l'État, plus particulièrement ses abattoirs. La belle maison Lafitte qu'il dirige, spécialiste du foie gras 100% label rouge, emploie 200 personnes et fait vivre 80 familles de producteurs. C'est très traumatisant pour eux et on a des salariés qui détruisent leur travail de plusieurs mois, qu'ils le savent très bien puisqu'ils l'ont déjà vécu. Et j'avoue que bon, on va assumer d'abord le volet sanitaire qui est important, le volet social aussi, et puis après il faudra assumer économiquement. Sans l'aide de l'État, en 2016, en 2017, on aurait pu carrément y rester, quoi. Donc on va avoir besoin aussi que l'on nous aide à passer cette période très compliquée. Pour l'heure, difficile de faire les comptes tant que la situation n'est pas stabilisée sur le plan sanitaire. Mais de l'issue de cette crise dépendra l'avenir de la filière. Elle fait vivre 7300 personnes dans le département des Landes.